Bien salut à tous et à tous, c'est The Cred Wall, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur le let's play de The Evil Within pour la campagne de ce jeu. Donc excusez-moi, je tiens à vous dire que j'ai fait le let's play de The Evil Within 2 en premier, hein, parce que j'ai pas fait le 1 encore sur ma chaîne, parce que j'avais vu le 1 avant, donc j'avais fait le 2 sur ma chaîne avant le 1. Donc n'hésitez pas à regarder d'abord la saison 1 que je vais faire et aller voir ensuite sur le let's play The Within 2 la suite, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vues, donc je pense que vous en foutez, mais bon je m'en fous franchement. Donc c'est parti, commençons l'histoire de The Within, la campagne. Donc je tiens à dire que par rapport au let's play de Batman The Evil Within, il sera bientôt terminé, hein. Donc voilà, et par rapport à Lego des Supervillains, je verrai quand je ferai, parce que Lego Lobby va pas tarder à être terminé. Donc voilà. Nouvelle partie. Plus. Détente. Allez, c'est parti. Donc ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, donc j'ai voulu faire le let's play dessus, hein, donc on va le faire. Hein, il y a pas de mal à ça, donc moi j'avais envie de refaire le jeu de façon. Et normalement, je dis bien normalement, je ne vais pas tarder d'ici quelques semaines ou à mon anniversaire à voir The Last of Us remastered sur PS4. Donc je vous ferai un magnifique let's play, mais vraiment un magnifique let's play honoré sur ce jeu, parce que j'adore The Last of Us, pas The Last of Us quoi. Donc si je l'ai bientôt, je vous jure ce sera un let's play d'enfer. Même s'il y aura peut-être pas beaucoup de monde sur mes vidéos, je m'en fous. Moi je serais une fierté d'avoir fait un let's play sur ce jeu-là sur ma chaîne. Donc voilà. Donc si vous m'entendez pas beaucoup parler, c'est parce que il est 23h, donc voilà. C'est un petit peu cracra tendu, on va dire, pour parler trop fort. Donc je sais pas pour combien de temps on part de let's play, de temps de vie. Toutes les unités, donc on verra bien. 1199, exécuté code 3, Je vais sur hôpital la psychiatrique cinématique, Beacon. 184 reçus, code 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé inspecteur, je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, c'est peut-être le fantôme de Zocdoc qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Les patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous? 184. Des problèmes sont arrivés à toutes les... sur place, Boreal Victor. Est-ce qu'il y a des... Les bordels! Putain! Inspecteur Kidman. Qu'en dites-vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Conley, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Donc voilà, nous voilà sur le chapitre 1. Donc pour vous dire, je ne me souviens plus beaucoup de la campagne, parce que j'ai dû la terminer deux fois en entier, comparé à The Evil Within 2, donc voilà.
Mais ce let's play, je tiendrai à le faire bien, hein, parce que j'avais foiré la première fois sur une ancienne chaîne. Mais je vous jure que si je fais ce Last of Us sur PS4, vous allez être ravis. Attendez, j'ai pas de message. Donc je parle pas vraiment les cinématiques. Il y a comme une odeur de sang. Ok, fais gaffe. On va voir à l'intérieur. Que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. Vraiment la multitude de cadavres qui traînent un peu partout dans l'hôpital. Hein. Genre la vieille dame écrasée par terre. La mare de sang qui traîne un peu partout. Tu as entendu ? Les quelques cadavres empilés quoi. Il y a un survivant. J'y arrive, Joseph. Vous êtes blessé ? Que s'est-il passé ? Dis, crache le morceau. Possible. Reviqué. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Bah oui, tiens donc. Allons vérifier les caméras. Donc excusez, hein, j'ai un peu perdu mon âme de parler dans les vidéos. Pendant un sacré bout de temps, j'ai pas parlé dans mes vidéos. Ouais, franchement, la qualité de la caméra, là, on aurait pu faire mieux quand même. On voit des flics qui tirent. Un étoile de sadique à capuche blanche qui bute tout le monde. Putain de merde. En se téléportant avec un record de psychopathe comme moitié recouvert de cicatrices sur le visage. Quoi ? Et qui apparaît derrière nous comme ça, tranquille. Non mais attends, what ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que je finis derrière là, comme ça, comme je ne sais quoi ? Ah, c'est bien, j'ai du sang, il y a un petit rat qui se ramène en dessous parce qu'il adore le sang. Bon, là, il y a plein de cadavres, il n'y a pas que moi. Alors on les attaque. D'accord, je suis attaché depuis en bas et il y a un grand monsieur avec une muselière, un colis de chien, machiavel, pas très humain. Monsieur en face de moi, il a un couteau dans le corps et l'autre, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup de cadavres. 1, 2, 3, 4 avec moi et 5 avec côté de moi. Mais on a vu, il y a quelque chose. Oh là. Ah ouais, d'accord. Vas-y, lâche tes tripes partout, on dira rien. Donc lui, on pourrait l'appeler sadique. Hein. Vu comment il vient de les fuir, mon gars. Allez hop. Chope le couteau. Presque. C'est bon, je... Je peux pas dire qu'il a pas entendu le bruit quand même. Il aurait pu entendre le bruit quand même. Que vu qu'on s'est cassé la gueule, mon gars, il manque une côte. J'ai plus mes flingues sur moi. Comment ça baisse déjà? Ok, R1. On appuie sur R1 pour se foutre à couvert. Il est mort. Il a bien zigoté le petit monsieur là en fait. Il voit toutes ses tripes, tous ses intestins qui tombent. On le voit derrière lui. On peut être reculé. Ah, trop... Ça c'est trop chouette comme instrument de musique ce machin. Ah, livraison express de cadavres. Ils ont ouvert la clé. Et on y va. On fonce. Voilà.
Où se trouve la sortie? Il n'y a pas marqué exit par hasard. Ah, lui il est plus en bas, d'accord. Il est en bas quand je suis reparti, là il n'y est plus. Des magnifiques tronçonneuses dans le coin, donc. Je sens que l'homme sadique est pas loin. Et le câble là, franchement, il est vraiment pas visible. On va se le prendre avec elle. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se le prendre. Allez, on fonce, mon gars. Allez. En route pour le Valhalla. En route pour le Valhalla. Ça fait ce mastering bientôt en vidéo. Le let's play va être énorme parce que j'adore ce jeu. En plus, je prendrai tout mon temps pour faire le let's play. Je veux dire, je chercherai tous les objets partout. J'irai pas en speed comme j'ai fait sur certains let's play, genre Lego et Hobbit. Parce que là, j'ai fait du speed, hein. J'ai été tout loin et rien d'autre. Là, si je sais, tout à fait, je vais prendre mon temps d'aller fouiller partout parce que c'est le meilleur jeu pour moi. Moi, une porte interdite d'entrée, mon rentre quand même. Un autre point de contrôle. Avec des machins à moitié sataniques là-dedans. On est atterri dans les égouts quand même. Donc, le chien qui règne. Le mec il marche dans l'eau avec une jambe décapitée et à moitié par la tronçonneuse, il règne quand même. Ça devrait me brûler, surtout l'état de l'eau, on va dire. C'est pas très très hygiénique tout ça. Il y a un monsieur là-bas, il est mort dans son feutré, je sais même pas ce qu'il fout là. Où est la sortie? Il branle là. Ouais, il me branle quelque chose, mais je sais pas quoi. Magnésimis porte et une autre porte. En fait, j'ai dû pouvoir décapiter quand même. Putain, je suis amputé d'une jambe, vas-y, c'est chiant. L'escalier, allez, on monte. Allez, mon gars, on voit bien la cicatrice quand même sur la jambe. Il m'a bien ouvert la jambe quand même. Bon, allez, on monte. Allez, Sébastien, allez, on monte. C'est pas compliqué, allez, plus vite. Donc je suis navré de m'y prendre au dernier moment pour le let's play de ce jeu. J'avais fait le 2 avant, donc c'est un peu pas trop logique. Voilà. Bon. Où est-ce que j'ai atterri? Encore un point de contrôle, c'est bien ça. Encore un couloir satanique. On a vu l'autre gros là, il va pas tarder à se ramener. Ouais, il va pas tarder à se ramener le gros là, moi j'ai. Même pas tant de fou. De toute façon, il n'y a rien à fouiller quand t'as une jambe amputée, tu cours. Oh, on peut le voir. Mais putain, il vient d'arriver, il va tout défoncer. C'est un peu petit. Il est où? Oh, le plus pire, mais c'est quand t'es dans le casier caché, qu'il y a quelqu'un qui peut me tuer. Et qui tue à travers le casier, c'est ça. Ça va, il dégagne le milieu du jeu, tranquille. Normalement, il est censé voir le sang partout, on va voir que je suis dans le casier, non? Toujours pas devant le cœur, mais je sais pas ce qu'il y a en fait, je sais pas. En tout cas, la lampe, elle est bien cassée, voilà. Et puis, du coup, on va pas faire de la difficulté.
des trous, c'est un petit. Comme si j'étais cassé dans une caisse, quoi. Ça. Je sais pas ce qu'il me prend trop, lui, mais. Mec, il voit des caisses, il croit que je suis cassé dedans, alors que le plus gros machin qui casse pas la taille, c'est le casino. Pas trop. Je vais garder la lampe. Oh là là, il a les appels aussi. Oh non, il y a encore une scène. Celui-ci, hein. Même pas besoin que tu leur demandes de fermer. Ouais, crash. Find myself within. Darkness twisting me around. On dirait le truc de Jigsaw à la fin du saut sur PS3. Quand on choisit la liberté et qu'on se bute devant ses affiches, on se tire une balle dans la tête dans le photo. Ça va tuer ça en fait. Quasi. C'est vrai que ça aurait été plus logique de faire une limousine 1 en premier et après une deuxième. Vu que le 1 je l'avais eu avant de créer ma chaîne, vu que j'avais pas fait let's play, du coup j'avais fait le let's play du The Within 2 quand j'ai commencé ma chaîne. Vu que je venais de l'avoir, donc voilà. Après, de toute façon, The Within 2 c'est ma première vidéo au début de ma chaîne, donc ça remonte à 200 vidéos. Il y a 200 vidéos, ça remonte il y a 200 vidéos du moins. Et qu'est-ce que je veux dire? Et c'est en let's play, donc vous êtes pas obligé de les regarder. On regarde la lettre. Ce personnage, parce que, en fait, y a pas grand monde qui a regardé mes vidéos sur The Within 2, donc pas grand monde a regardé. Ça va être énorme. Ouh la lumière, mon gars. Inspecteur, montez, montez. Ouais, j'arrive. Oh!
Hé, hey, où est Joseph? Je suis désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Calme-toi, Leslie. Quel bizarre, c'est pour toi. Calme-toi, Leslie. Merde! On pourra pas y retourner. Je vais vous dire que la route c'est cool quoi aussi. Personne. Tout le monde est sûrement mort. Comment ça va à l'arrière? Quelques bleus, mais ça va. Ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ça va. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ça va. On tombe. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? On tombe! Allez. On s'est écroulé par terre. C'est parce qu'on a trop quoi. Allez hop, chapitre 1 terminé. Sauvegarder la partie. Ouais, accepté. Donc comme vous pouvez voir toutes les parties que j'ai faites. Hein. Donc, voilà, retour. Et chapitre suivant. Juste pour lancer le chapitre 2. Avant de terminer cette vidéo, donc je pense que je vais pas faire beaucoup de temps de vidéo, ça dépend selon les chapitres. Vu que j'ai déjà fait le chapitre 1, je pense que je vais faire que 25 minutes de vidéo là, donc on verra. De toute façon, il y en a au moins pour une trentaine de vidéos, je pense. Sur The Resin 1 comparé au 2, il y en a moins, il est plus, le 2 est moins long que le 1 de toute façon. Mais The Last of Us, si le remastered, si je l'ai dans 2 semaines. Non, mon ami, ce serait bon. Je pense que bah, mon ami, si je pouvais l'avoir d'ici 2 semaines, ce serait pas mal. S'il faut que j'attends mon ami, j'attends 2 mois. Donc ça va. On va tenir le coup. Bon, docteur, où m'emmenez-vous? Je suis pas. Comment on dit? Je suis pas. J'ai pas de problème au cerveau, donc je vois pas pourquoi vous m'attachez. Je suis pas à l'asile. Lâchez-moi, je vous dis, bande d'enculé avant que je vous en souffle. Allez, libérez-moi. Oh là là, il y a un bras avec une tentacule qui se lève. Un deuxième bras. Ah non, le bras est normal. Par contre, je peux dire que ce patient est atteint de peste noire, de génocide humaine, de virus, on va dire. Parce que quand il me pire la gueule avec tout le rouge. Hein. Ici, c'est moche, c'est en noir et blanc, mon gars. Noir et blanc ce machin, j'ai mis pour y aller là-dessus.
Je sais que dans les toilettes, il y a un pot de tube. Y a quelqu'un? Allez, bam. Faut toujours trouver l'astuce, mon gars. J'ai un arbalète sur moi, j'ai un revolver. J'ai un accord. Alors, petit lance-roquette avec 20 munitions. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai plus aucune munition dans tous mes fusils. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Et ça, ça va là. Voilà, comme ça, c'est bon. Ça, j'ai aucune balle nulle part. Donc c'est une partie plus, hein, donc parce que je me souviens plus trop du jeu, donc oula. Par contre, je me souviens d'elle, ça, c'est le... Tous les autres vont bien? Où suis-je? Mais de quoi parlez-vous? Bah de ceux qui sont crachés avec le car comme moi, quoi. Pour le moment. Pour le moment. Donc, par contre, ce que j'ai vu, les noirs, c'est des munitions, quand même. Que j'ai plus qu'une seringue, non, deux, une boîte de secours, 0, 0, 0. Non. 20, non, stop quoi. 0, 60, 40. Une, deux. Ouais, après ça, ça se brique, donc ça, c'est pas compliqué. Par contre, on va se faire une petite pièce. Parce que je crois que j'ai plus beaucoup de santé. Hop, voilà. Histoire de se faire un peu douiller quoi. Un hôpital. Ce lieu est important pour vous. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Je suis à l'hôpital. Je crains de ne pouvoir vous répondre. Tiens, on a vu des recherches en moi. Inspecteur Castellanos disparu. Je vous en prie, inscrivez-vous ici. Si vous ne signez pas, nous ne pourrons pas conserver vos prochains. Et bam. Ah, bugué. Souvenir. Veuillez me suivre. Oh oui, c'est machin. Ça sent le médicament. On marche, on marche, on y croit. Allez, j'ai du mal à marcher. Ça va. Donc là, un petit bout de carte, on va pas s'en avoir. Tout va bien. Détendez-vous. Une belle chaise pour se détendre. Asseyez-vous donc. Avec une perfusion dessus, c'est vrai que c'est énorme. Franchement, je vois pas le piège arriver. Hein. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. C'est bon. Non! Arrêtez! C'est bon, c'est bon. Vous c'est bon, voyez? C'est bon. Voilà. C'est bon. Tout va mieux. Est-ce que je deviens dingue? Ouais, je flambe, allez, tiesta partout, il y a un barbecue. Barbecue, non, allez. Ça brûle, ça fait peut-être un petit peu de l'air. Je vous attends. Ouais, moi aussi, je t'attends, mon ami. Tu dis ça. Sébastien, c'est pas le moment de faire ça. Par contre, ce qui est pas normal, c'est que j'ai toujours une panne. Quand tu tournes un jeu, quand tu commences en mode normal, t'as pas de balle. Donc là, ça attendra. Merde. Juste récupérer les qu'est-ce que c'est que cette histoire? Destiny. Je suis où? Je sais comment on marche la roulette russe. Kidman! La peine de me le prendre. Où êtes-vous? C'est lui qui avait un pot de confiote. Conley! Je dis bien, il y a plein de pots de confiote ici. Il y a plein de petits pots. Donc bon, on va s'arrêter là pour le premier épisode, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis bah, à la prochaine, salut à tous, ciao ciao.